Le prochain défi va vous demander de percer le bouclier des adversaires. Alors pour réaliser ce défi, vous avez trois solutions. Et comme je fais les vidéos en avance, je ne sais pas laquelle exacte fonctionnera. La première solution, c'est quand vous jouez en mode non-construction, en zéro build, vous avez un shield en plus, un bouclier en supplémentaire. Donc peut-être qu'il faudra casser ce bouclier-là. Donc quand vous allez tirer sur vos adversaires, vous allez casser le pré-bouclier, si je peux appeler ça comme ça, de votre adversaire. Donc là, normalement, ça devrait déjà valider le défi. Si ça ne fonctionne pas, il faudra attendre que votre adversaire, en fait, se mette du shield automatiquement, donc se mette du bouclier comme ceci. Et quand il a mis son bouclier, là, vous lui infligez des dégâts et vous essayez de lui casser son bouclier. Donc là, le mec, il a déjà plus de bouclier, donc ça va pas fonctionner avec lui. Mais s'il aurait eu du bouclier, les points de vie auraient été en bleu. Et si j'aurais réussi à lui casser, après, il aurait les points de vie en blanc. Donc ça, c'est la deuxième solution. Je pense que c'est la meilleure solution et je pense que c'est celle-là que le défi précise. Après, dans le doute, il y a peut-être une troisième solution pour réaliser le défi, si vraiment les deux premières ne se valident pas. C'est de détruire, enfin détruire entre guillemets, parce qu'on ne peut pas vraiment les détruire, mais c'est de détruire les boucliers balistiques. Donc en fait, quand vous allez tirer au sniper sur un bouclier balistique, il va tout simplement briser la défense de la personne qui l'utilise. Donc peut-être que le défi est lié à ce bouclier-là, mais je ne sais pas. Donc si vraiment il est lié à ce bouclier-là, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement le percer 10 fois pour terminer le défi. Après, moi, je pense vraiment que c'est lié au bouclier, donc le shield qu'on se met dans les parties. Donc si c'est vraiment lié au shield, vous avez juste à percer le bouclier de 10 adversaires pour terminer le défi et débloquer les récompenses.